Hello! C'est parti pour ce unboxing K-Beauty. Hello les filles, je suis heureuse de vous retrouver dans cette deuxième édition unboxing Stylevana qui est un site internet de K-Beauty. Donc j'ai un code promo qui va s'afficher juste ici et que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos qui vous donne moins 10 à moins 15% sur certains produits. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous cliquez juste ici, je vais vous la mettre. Et dans cette deuxième vidéo, j'ai reçu des produits, mais oh là 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 là. J'ai déjà commencé à tester, ça doit faire déjà une semaine que je teste ces produits-là et je vois une réelle différence. Bon, il y a certains produits que je ne comprends pas l'utilisation, comme celui-là, voilà. Donc c'est écrit en coréen, donc je ne sais pas trop comment il faut l'utiliser. Je ne l'ai pas encore ouvert, voilà, je vais tenter de le faire à la caméra, mais je pense que dans la partie test, je vais essayer de le tester, je vais essayer de l'ouvrir avec vous, voilà, et je n'arrive toujours pas à comprendre en fait. J'ai essayé de déchiffrer sur internet, mais je ne comprends pas. Si jamais l'une d'entre vous connaît ce produit ou l'a déjà utilisé, et ben dites-moi ce que c'est, ce que vous en pensez. Et j'ai pas eu non plus de détails avec, avec Stylevana, mais il y a pas mal de sachets. Bon, je pense que c'est un masque, mais j'ai l'impression que c'est un masque chauffant, car on voit quand même qu'il est écrit 40 degrés, une icône d'avion et de nuit. C'est certainement qu'on doit le mettre la nuit et ça doit réchauffer, mais franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc ensuite, comme autre produit qui m'a vraiment 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 plu, c'est ce produit. Voilà, c'est Skin Food Royal Honey Propolis Enrich Essence Moisture and Nutrition Propolis Extract 63%. Il y a de la gelée royale, il y a de la propolis, voilà. Et franchement, la bouteille, elle envoie du lourd. Vraiment. Donc là, on fait comme ça. J'avais une pipette. Comparé à l'autre crème que j'avais reçue dans le premier colis qui était à base de propolis, je préfère celui-là. Largement celui-là. Sur le site internet, il coûte 26€. Pour nourrir la peau en profondeur. Et ben voilà quoi, hein, prévenir les rides, prévenir la vieillesse, garder toute cette comment dire, toute cette élasticité dans la peau, tout cet éclat qu'on a. Et c'est vraiment un produit, franchement, sur le marché français, est-ce qu'une bouteille comme ça vous allez retrouver ça à 26€? Je ne pense pas. Voilà. Bon, la propolis. Et c'est pas quelque chose qui va vous laisser le visage gras ou quoi. C'est vraiment un truc très, très sec. Ensuite, j'ai reçu un autre produit de ouf. Alors, c'est ce produit qui est de la marque Makeup. J'adore le packaging de ce produit-là. Raw Sauce Hydrating and Nourishing Essence. C'est présenté comme ceci. Niveau packaging, c'est pas mal du tout. Dans un petit sac comme ceci. Voilà. Voilà la bouteille. Franchement, j'étais étonnée de recevoir une aussi grande bouteille. Il y a 150 ml dans ce petit bijou. Et dans l'autre, j'ai oublié de vous dire, 50 ml. Voilà. Et donc, après plusieurs recherches, c'est une essence d'arbre d'érable. Donc vous savez là, le sirop d'érable, les arbres qu'on retrouve la plupart du temps au Canada, et ben c'est l'essence de cet arbre qui est dans cette bouteille. C'est, on va dire, c'est une solution tonifiante. Sent hyper hyper bon. Ça fait une semaine que je l'utilise et vous voyez, c'est comme si je l'avais jamais utilisé en fait. Une solution qui va venir hydrater votre peau. Voilà, parce que certaines personnes ont une peau qui sèche très vite, qui sont assez tiraillées, où les pores sont dilatés. Et donc quand vous allez venir laver votre visage, vous allez mettre cette solution tonifiante. Et ça va venir ensuite absorber les autres produits que vous allez venir mettre. Ce produit-là coûte 36
euros, voilà. Donc avec mon code promo, ça va vous coûter moins cher, bien évidemment. Donc ce qu'on peut lire, humectant, nature, organique. Donc organique, c'est vraiment naturel, naturel, c'est vraiment de l'extrait naturel. Natural Moisturizing Factor, donc hydratant, voilà. Ecocert Certified, Acer Maple Water. Donc Maple, c'est vraiment l'érable, voilà, c'est Maple Tree. Donc je vous conseille ce petit combo nutrition hydratant pour la peau. C'est vraiment un pur boost pour votre visage. Dernier produit que j'ai reçu, c'est de la marque Cynic. Alors je savais pas que la marque Cynic, c'était une marque coréenne. Voilà, j'ai déjà beaucoup entendu parler, j'ai déjà vu des produits, voilà. Je savais pas en fait que c'était une marque coréenne. Voilà, hein, comme quoi. C'est The Simple Daily Lotion avec un pH neutre, low irritant. C'est pour les peaux très sensibles. Au niveau de l'application, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, c'est vraiment par goutte en fait. Voilà, comme ceci. Pour moi, ça reste une crème. Maintenant, ce qui est bien avec cette crème, comparé à toutes les autres, c'est qu'elle a un pH très neutre, voilà, qui n'est pas beaucoup acide, qui ne va pas attaquer la peau ou quoi. C'est une solution pour ne pas utiliser d'autres crèmes qui n'ont pas un pH neutre. Mais ça reste, pour moi, ça reste quand même très peu naturel. Donc, je vous laisse regarder la deuxième partie de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, en story. Et n'oubliez pas mon code promo pour le site Stylvana qui vous donne entre -10 et -15% sur les produits. Let's go! Pour commencer, une routine skincare. Il faut vous laver le visage matin et soir avec un bon savon naturel qui n'agresse pas trop votre peau. Donc ce savon, il me vient de chez The Body Shop. Donc je vous ai gardé le packaging pour vous le montrer. Voilà, donc c'est un savon himalayen charcoal qui purifie le visage. Et on n'oublie pas le cou qui est très 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 important, il faut laver le cou aussi. Quelque chose de très important, c'est de vous essuyer le visage en tamponnant comme ceci, mais pas en frottant parce que ça agresse le visage. Donc vous allez venir tamponner votre visage comme ceci. Et il est très important que vous ayez votre propre serviette pour votre visage. On va venir, pour la deuxième étape, utiliser un tonifiant. C'est le Makeup. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une essence d'arbre d'érable. Voilà. C'est original et ça sent hyper bon. Donc vous allez venir mettre une, deux, trois gouttes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire comme ça et on va venir tapoter le visage. Donc, le cou, on n'oublie pas le cou. Donc, cette solution tonifiante permet au visage de rester hydraté, de ne pas avoir un visage sec, tiraillé avec des pores ouverts. Donc ça permet d'avoir un visage rebondi, bien ferme, bien hydraté. Et en fait cette solution va aider la pénétration des autres produits dans les pores. Donc les autres produits qui vont venir sont très 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 importants. Je pense que cette année c'était vraiment une très bonne année pour les personnes qui voulaient avoir comme objectif une très belle peau, parce que de 1, on est resté chez soi pendant au moins 3 mois de confinement, donc on a pu on n'est pas sorti, donc on n'a pas mis de make-up, on pouvait faire ses soins visage et tout, on n'était pas exposé au soleil parce qu'on était chez soi. Je sais pas vous, mais moi avec le masque je ne mets plus rien sur ma peau, je mets que mon soin visage, que je fais que ma routine et je mets plus rien à part les sourcils. Mais c'est tout. Maintenant, je vais venir poser mon soin à la propolis. Une goutte ici, là. Ouh. Et là, je vais venir appliquer
sur ma peau. Sur le cou, sur les mains. La propolis, c'est vraiment quelque chose de très naturel et de très très bon pour la peau, les filles. C'est un anti-aging, c'est un anti-ride. Voilà, il nourrit votre peau, il donne de l'éclat à votre peau. Et donc, il faut bien le mettre. Voilà. Alors, là, vous avez la routine que je me fais tous les soirs. Donc, tous les soirs, j'utilise mon savon, ma lotion tonifiante, Make-up et The Royal Honey Propolis de Skin Food. Ça, c'est ce que je mets le soir quand je vais dormir. Lorsque je sors, le jour, je mets cette lotion. Donc, c'est The Simple Daily Lotion de Cini. Il n'y a pas d'odeur particulière, donc justement il n'y a pas de parfum à l'intérieur ni d'alcool. Il y a un pH très très neutre et qui va justement garder l'eau à l'intérieur. Donc lorsque vous sortez et que vous êtes exposé au soleil et que le soleil assèche votre peau, cette solution va venir justement garder votre visage bien hydraté. On en met très très peu. Donc voilà, hop, une petite goutte ici et ici. Voilà. On n'oublie pas le cou, les mains. Donc ensuite, la dernière étape, mais qui est une étape très 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 importante pour moi, c'est la protection solaire. Les filles, passées 25 ans, voire même avant, il faut vous protéger du soleil. Le soleil, c'est vraiment un facteur très important dans le vieillissement de la peau. Donc si vous voulez avoir une peau qui reste jeune, il faut absolument vous protéger du soleil. À Réunion, on a 365 jours de soleil par an et donc on est terriblement exposé au soleil. Et pour protéger votre peau, il vous faut un écran solaire. Donc moi, j'ai opté pour Aven. Avec une protection à 5 ans, c'est une crème qui est assez transparente. Mais avoir une protection solaire est très 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 importante si vous voulez pas avoir des rides très tôt. Kylie Jenner, dans une vidéo la dernière fois, elle disait justement que à son âge, hein, je crois qu'elle a quoi, elle doit avoir 24 ans ou 23 ans, qu'elle mettait de l'écran solaire lorsqu'elle conduisait. Quand nous on conduit, on a du soleil ici, on a du soleil là, on a du soleil sur tout le bras et il faut... On est à La Réunion, il faut vous protéger. C'est pas parce qu'on a la peau foncée, qu'on a pas mal de mélanine en nous, qu'on est protégé du soleil. Non, non, non. D'ailleurs, vous avez des écrans solaires un peu moins chimiques et plus naturels. Donc, il faut vraiment regarder s'il y a certifié bio, organique, cruelty free. Voilà, donc c'est vraiment des labels qu'il faut regarder. Donc, voilà pour ma routine complète. En une semaine, j'ai... eu des résultats, donc j'ai pu remarquer que ma peau était moins creusée, que j'avais moins de pores dilatés, que ma peau était raffermie, plus bombée, plus hydratée, plus éclatante. Si vous voulez commander ces produits là, les liens sont tous en barre d'infos. Je suis très heureuse de faire ce partenariat et de vous proposer ces produits et de tester pour vous. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bye bye.